va finir par me pousser celui qui est derrière. Elle a l'air vachement pressée si c'est pour aller à la boulangerie. Ah ouais, d'accord. Et c'est pas la première fois que je les vois faire des travaux, mais ils signalent ça super mal. Genre deux fois d'affilée sur un virage, toi t'arrives en face, tu vois juste des voitures rouler de ton côté, de faire. Ah d'accord, c'est là où il faut que je m'écarte. Parce que bon, la dernière fois c'était quand même ici, hein. Je veux dire, toi t'arrives ici, même si tu roules à 50, hein, t'arrives là, tu vois toujours pas, là tu vois une voiture avec des travaux, tu fais ok, et là tu te rends compte que juste ici, les voitures elles roulent de ton côté, parce que bah, parce qu'ils ont fermé en fait l'autre partie de la route. Alors ils passent pas de l'autre côté du terre-plein central, ils repassent de leur côté juste après, mais en sortie de virage, les voitures arrivent littéralement en face de toi. Et même si t'es à 50 des deux côtés, hein, ça fait quand même 100 km/h hein, qui arrive. Donc voilà, voilà. C'était pour moi le coup de klaxon ou... J'ai pas compris. Et lui, il est pressé pour partir en burn. Il était cool, mais il aurait très bien pu s'insérer. Hein. J'étais pas spécialement pressé. Ça me gratte le nez. Salut. Ah. Ah, je vais aller chercher loin, celui-là. Oh, c'est quoi, la route est complètement fermée? M'en fous, je force le passage. Alors pour ceux qui y croient, non, c'est pas vrai, c'est deux jours plus tard. Il n'y a plus les flics, hein. Il n'y a personne. Bonjour, la route est fermée? Non, la route est fermée, oui. Ah d'accord, fermée, ok. Il y a eu un accident de bus, il a pris feu et du coup la route est... Ah ouais, merde. Ok, bon, ok, bon bah je me débrouille. Voilà. Ok, merci. Bah du coup je comprends juste pas pourquoi il y a des gens qui peuvent passer. Et là je navigue à vue. Eh, vous inquiétez pas, surtout vous faites pas deux, hein. C'est la blague de merde du jour. Ah bah décidément, je le verrai pas ce fameux bus. Je suis triste. Alors pour ceux qui y croient, non c'est pas vrai, c'est deux jours plus tard. Il n'y a plus les flics, hein. Il n'y a personne. Par contre je suis assez curieux, c'est... Tiens disons, c'est pas le même qui la dernière fois celui-là. Alors où est-ce qu'il était sur le bus qui a cramé potentiellement? Ah ok, c'est là qu'il a cramé. Et visiblement ça a fait couler de la merde tout le long. J'imagine qu'il a perdu l'essence pour qu'il mette autant de sable. Ah puis ça sent en fait. On sent le gasoil. Ah ouais, effectivement il a perdu oh, la jolie pollution des eaux qu'il a dû avoir. Ah puis ça a mis du gasoil mais jusqu'au bout quoi. Oh la vache. Qu'est-ce que tu fais arrêter là toi? Il y en a un qui a mangé le sol visiblement. Ah mais non, c'est la journée de la roue arrière aujourd'hui. Eh ben dis donc, heureusement que j'arrive pas plus vite hein. D'accord, il y a littéralement une voiture arrêtée avec personne dedans, pas de feu de détresse, rien du tout. Aucun triangle, rien. Mystère.
Ah si, il y avait quand même quelqu'un à côté. Bah forcément, t'es un blaireau, tu t'arrêtes sans clignotant, sans rien du tout, t'as failli te faire éclater le cul, quoi. Tout va bien? Ça va, c'était rapide comme signal de tout va bien. Il a été réactif. Ça m'étonnerait que tu sois passé au vert, toi, dis donc. Ça m'étonnerait fortement. Oh, aujourd'hui, il a mon père qui m'a demandé est-ce que je peux garer la voiture tous les jours dans le garage ou tous les jours je t'appelle. Et sans madame qui a eu peur, on a croisé le camion, elle s'attendait pas au coup de vent. Oh, ça grippe. C'est les voitures en face qui doivent pas comprendre. Tente des trucs, hein. Ah, le problème, c'est qu'arrivé à l'heure-ci, le fameux feu rouge à obligatoire avec le reflet du soleil, tu crois tout le temps qu'il est allumé. Mais non. En tout cas, je comprendrai jamais des fois pourquoi ce tunnel est fermé, parce que il est fermé régulièrement, mais je sais pas ce qu'ils font. Parce que là, s'ils n'ont pas encore nettoyé, ça m'a l'air vachement propre. Hein. Bon bah si c'est pour rouler à 60, par contre, t'aurais jamais pu passer derrière moi. Hein. Ah ouais, mais il y en a, ils ont deux temps, hein. Et toi, surtout, moi, ça me fait chier quand je vois ça, parce que derrière moi, genre, quand elle démarre, le premier truc que je regarde, c'est s'il y a du monde derrière moi. Derrière moi, il n'y a personne. Je lui dis, putain, tu peux pas attendre 5 secondes. Bah, j'avoue qu'elle a largement de temps pour tourner, c'est juste accélérant. Bah ouais. Putain, le gazole qui est plus cher que l'essence, quand même. Enfin, pas plus cher, mais quasiment. Ils se gavent, les mecs. Qu'est-ce que tu fous? T'es nul! Oh la vache, pourquoi tu ralentis autant que ça là? D'accord. En fait, t'es bien gentil de laisser passer les gens, mais quand c'est bouché quoi. Qui est en train d'écrire des SMS pendant qu'il conduit. Il y a un feu de chantier ou je rêve? Non, c'est bien ça, il y a un feu de chantier. Je pensais que c'était un vieux reflet, mais... Oh. Ah bah du coup, c'est vachement foutu, ça veut dire que tout le monde va venir s'entasser dans le feu. Ça va bloquer les gens qui viennent de là. Ça va être n'importe quoi.
On va mettre la deuxième batterie là, parce qu'elle me casse les couilles dans la poche. Ah voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous feriez mieux de reculer, vous allez tout bloquer, je pense, sinon. Ah, ça va, elle a pu se caser ailleurs. Ah, parce que s'il reste là, malheureusement, ça bloque tout. Le bus peut pas avancer, le feu de travaux peut pas se déboucher, et voilà, quoi. C'est le meilleur endroit pour traverser, hein. Oh là, j'ai un second de me rendre compte, je me suis pris une de ces merdes de pigeons sur le casque. Je me suis pas fait respecter, je viens de me faire chier dessus. Au virage là, j'entends un énorme chpouk, puis je tilte pas, c'est qu'après j'avais des jeux. Ah, c'est dégueulasse.